Alors, au nom du comité organisateur du défi santé Plessisville, je désire tout d'abord vous remercier d'avoir accepté l'invitation de cette petite conférence de presse pour souligner la troisième édition du défi santé. Les sources de motivation qui nous poussent à continuer d'offrir cette activité à Plessisville sont nombreuses. En voici quelques-unes. Une activité qui est bien reçue de la part des élus de la ville de Plessisville, qui a été bien reçue l'année dernière, donc on a le goût de continuer. La participation de plusieurs partenaires financiers. Un engouement toujours grandissant pour la course à pied. Alors, de plus en plus de gens attachent de l'importance à leur santé par différents moyens, dont la course à pied. Alors, c'est la principale raison pour notre but de continuer. Puis également, bien, on a un comité qui est vraiment motivé à poursuivre cette aventure-là. Il y a trois principales nouveautés pour cette année. On a un parcours de chaque côté de la rivière d'environ 2,5 km que nous avons appelé la marche des aînés. C'était une demande ça, de certaines personnes l'année passée. On s'est penché là-dessus. Le carrefour de l'Érable comme site de départ et de rassemblement, d'où l'obligation d'avoir un nouveau parcours, que M. Jérôme là, nous expliquera un petit peu tout à l'heure, plus en détail. Puis un beau site web. Alors cette année, c'est une belle nouveauté. Merci à Patrick, il est là, qui nous a travaillé ça cette année. Donc pour y accéder, il s'agit de taper le www.défisanté.com. Puis là, vous allez avoir toutes les informations. Donc, en résumé, le défi est le 15 mai au carrefour de l'Érable. Le premier départ est à 17h30 pour les enfants de 10 ans et moins. C'est gratuit pour 1,5 km. Ensuite, à 18h, c'est le départ pour le 5 km marche, 5 km course, 10 km course. Puis, à 18h05, on va avoir le départ pour la marche des aînés. Ça résume là, vraiment le défi pour cette année. J'inviterai M. Paul Gagné, directeur de la Caisse des Jardins de Plessisville, à nous adresser quelques mots. Merci. Bon, bien, bonjour tout le monde. Pour moi, c'est un privilège d'être avec vous ici aujourd'hui. Ça fait un an et demi que j'ai le privilège d'être le directeur de la Caisse des Jardins de l'Érable. Puis l'année dernière, je parlais justement avec M. le maire il n'y a pas longtemps, tantôt, là, au début de la conférence. Puis on parlait de. C'était la première fois que j'assistais à la rencontre au défi santé Plessisville l'année dernière. J'avais trouvé la démarche fort encourageante parce qu'au-delà de faire de l'activité, des fois dans la vie, on a des gens qui ont beaucoup d'idées. On n'est pas en mesure de les matérialiser. Ce qui est le fun dans une réalité comme un défi santé, c'est que les choses, on va chercher une clientèle de gens qui deviennent de plus en plus importants, qui s'intéressent à la course à pied. Malheureusement, moi, j'en fais pas. Je fais une autre activité physique qui me permet de me dépasser, mais au-delà de ça, je salue le courage et l'engagement des gens qui font de la course à pied, mais je salue avant tout le courage et l'engagement du comité organisateur du défi santé. Parce que sans vous, on ne serait pas en mesure d'amener à terme une activité de cette envergure-là, parce que d'avoir l'idée, c'est bien important, mais ce qui fait la différence, c'est les gens qui sont dedans. Et pour nous, c'est un naturel, puis on est bien fiers à la Caisse du Jardin de l'Érable d'être associé à l'événement. Soyez sûrs d'une chose, on est fiers d'être présents cette année. On va être fiers de pouvoir vous accompagner au fur et à mesure à la hauteur de ce que vous souhaitez, où vous souhaitez amener le défi santé. Puis pour nous autres, il y a un naturel qui est important de participer à la bonne santé de nos gens, à la bonne santé de nos membres. Puis tout ce que je peux vous dire, c'est bon succès. Parce qu'on ne dit pas bonne chance dans une réalité de même, parce que les résultats qu'on a n'ont rien à voir avec la chance. C'est à partir d'efforts, puis force est d'admettre que les efforts que vous déployez sont importants. Puis ça nous fait très, très plaisir d'être associés. Encore une fois, bon succès. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci. Merci. J'invite maintenant M. Jean-Noël Bergeron, maire de la ville de Plessisville et partenaire financier majeur dans cette belle aventure, à nous adresser quelques mots. Premièrement, merci bien d'être là. Merci les médias, merci les journalistes, les partenaires, les commanditaires, GoSport, M. Yvan Lado qui est là, Daniel Villevaux, la directrice, et M. Paul Gagné. La ville de Plessisville, partenaire majeur avec KIC-FM, aussi KIC-FM est un de nos partenaires majeurs. Et on a plusieurs partenaires, mais la ville de Plessisville veut donner un rôle de ville active. Donc, la ville de Plessisville veut soutenir des événements comme le défi santé. Moi, je crois à cet événement-là, je fais partie du comité organisateur. Puis je crois que plusieurs événements comme ça vont faire de la ville de Plessisville une ville vraiment active. On est des facilitateurs, les gens de la ville de Plessisville, les partenaires, les médias, mais on est des facilitateurs pour rendre l'événement, promouvoir l'événement, bien,
plus que ça va aller. L'événement, c'est une troisième édition, mais si on se rend à la dixième édition, je pense qu'on va permettre aux gens de pratiquer une activité physique. Je pense que c'est un des objectifs majeurs, c'est de garder la forme et de pratiquer une activité physique. Mais si on est capable de véhiculer ce message-là, bien, c'est parfait. Et si la ville de Blessville peut vous aider, bien, tant mieux pour l'activité. C'est une activité très populaire. L'an passé, on avait plus de 300 participants. C'est une activité aussi qui est vraiment qui rentre dans les cadres de la ville de Blessville, dans le programme Municipalité Amis des Aînés. C'est une activité intergénérationnelle. Il y a des petits bouts de choux qui vont venir courir après les adultes et après on fait une marche pour les aînés. Donc on vient de toucher à plusieurs personnes. Donc j'imagine s'il fait tellement beau cette journée-là, bien, le soir, 300 personnes intergénérationnelles, je pense, une belle visibilité. Puis ça fait des belles relations entre les différentes catégories d'âge. Donc, merci au comité organisateur, merci la gang d'être là, merci à tout le monde. Et j'en profite pour inviter les autres municipalités de la MRC. Dernièrement, j'assistais à un sommet sur la croissance démographique. Et on disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer les gens chez nous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre ville soit plus rayonnante? Bien, des événements comme ça, je pense que c'est facilitateur et ça va peut-être permettre à de jeunes familles de voir qu'à Blessville, ça bouge. Donc, j'invite les maires des autres MRC, pas des autres MRC, mais de notre MRC, les municipalités de l'Érable, à venir participer à notre événement. Merci bien. J'inviterai maintenant M. Jérôme Grenier, qui fait partie du comité, à venir me donner des précisions sur le parcours et autres petits sujets. Bon. Bon, ceci étant dit, on va y aller au niveau plus technique, là, s'il y a des gens qui sont intéressés à savoir, bon, mais dans quoi ils s'embarquent comme aventure. Souvent, les coureurs, c'est des gens qui font des circuits de course. C'est intéressant d'avoir ces gens-là qui viennent à notre événement. Mais aussi, on a des gens qui commencent et ils ont peut-être besoin de certaines précisions à savoir, bon, les parcours. Sans répéter ce que M. Sylvain disait tout à l'heure, Il y a trois départs, hein, il y a trois vagues qui vont partir, intergénérationnelles. Bien sûr, on commence par les enfants. Et les enfants, c'est un kilomètre qui va être dans le parc de la rivière. Et ça, on a vraiment voulu exploiter là, le parc cette année. Parcours en ville, c'est le fun, peut-être un peu moins sécuritaire, mais aussi c'est une des choses qu'on a ici en ville qui est intéressante, c'est notre fameux parc de la rivière des Bourbons. Et pourquoi pas ne faire les parcours là, à l'intérieur de ce parc-là, bien, c'est ce qu'on a essayé de faire cette année. Donc, 1 km, le départ est du 5 et du 10. Le 10, c'est deux fois la boucle de 5 km, comme vous pouvez voir sur les affiches. On passe par des endroits, c'est sûr, le plus beau possible, comme étant le parc. Mais ensuite de ça, on se déplace en ville, soit la rue, une partie de la rue Saint-Calix, on descend la rue Saint-Édouard, la rue Saint-Louis aussi en descendant. Et après ça, on revient sur la rue Saint-Jean et on monte tout des Érables pour terminer, bien sûr, au carrefour de l'Érable. La course des aînés aussi, on a choisi d'être beaucoup dans le parc. Donc, on fait carrément le tour. Ça donne, c'est un hasard, ça donne précisément 2,5 km. La distance n'est pas si importante pour cette épreuve-là, mais ça donne une distance exacte. On n'a pas parlé des puces, ça va être aussi chronométré cette année par une compagnie qui s'appelle Sportsdat, peut-être la plus populaire, la plus connue en tout cas des compagnies de chronométrage. Ça permet d'avoir un temps précis, ça permet aussi d'avoir son résultat sur Internet, de se comparer avec ses amis, de se comparer avec les différentes personnes et bien sûr de regarder voir nous nos performances d'année en année. C'est des sites qui sont très courus par les coureurs intermédiaires ou même avancés. D'autres précisions sur le parcours, tout ce qui est bien sûr là, dans le parc, bon, ben, c'est sur les sentiers qui sont déjà asphaltés, mais en ville, c'est des voies partagées, il n'y a pas de fermeture de route qui vont se faire cette année, mais c'est quand même assez sécuritaire, c'est-à-dire qu'on va toujours courir dans un parcours balisé, sécurisé par des silicones sur la route. Il va y avoir entre 50 et 60 bénévoles qui vont participer à l'événement, en plus du comité organisateur. Donc, sur le parcours, là, vous avez des bénévoles à chaque intersection, des bénévoles aussi au point de ravitaillement qui est situé ici en face de l'hôtel de ville. Donc là, les gens qui font le 2,5, le 5 km ainsi que le 10 vont pouvoir avoir au Gatorade sur place, là, un petit ravitaillement qui fait toujours du bien. Ensuite de ce point technique, est-ce qu'il y a d'autres choses, les gars, qu'on a oubliées, site internet, tout ça? Les inscriptions, on n'en a pas parlé beaucoup,
deux manières de s'inscrire. La manière sur Internet, c'est encore une fois, vous allez sur le site que Patrick a monté, vous avez un lien pour vous inscrire directement. Et il y a des prix qui sont reliés à ça. Je pense si on s'inscrit plus de bonne heure, tirage d'un prix de présence pour les pré-inscrits avant le 11 mai 2014. C'est forfait romance, deux personnes, chambre supérieure, manoir, du lac Mouillant, une valeur de 460 $. C'est un ou une autre commandite qu'on a eu. Pour faciliter, motiver les gens à s'inscrire d'avance. Nous, c'est le fun parce qu'on sait combien de personnes s'inscrivent. À peu près, on est capable de prévoir. Mais il y a toujours aussi la manière dépliante de s'inscrire et l'inscription sur place là, de dernière minute qui ça répond à un besoin aussi. Plusieurs personnes voient la température, se disent « Ah, je vais aller m'inscrire. » Donc, ils viennent s'inscrire le jour même. L'étape d'inscription avec des nombreux bénévoles encore. Est-ce qu'il y a des questions sur les aspects techniques de la course? Ça complète? Oui. C'est bon? Merci beaucoup. En terminant, le comité organisateur désire remercier les partenaires financiers suivants. M. Jean-Léon a mentionné tout à l'heure la ville de Plessisville et Kick FM comme partenaire financier majeur. Ensuite, il y a également le relais des campagnes, REMAX, Construction CDG, Paroisse de Plessisville, Go Sport, École de conduite première, Groupe Graphical, Polyvalente La Samar, Manoir du Lac William, Clinique vétérinaire de l'Érable, Construction YGC, Électricité Expert, Caisse des Jardins de l'Érable, Physiothérapie de l'Érable, Coop IGA Extra et Amex. Merci d'être venu. Ça termine la conférence de presse. Et avant de quitter, s'il vous plaît, on prend une photo. C'est important pour la municipalité de soutenir ce type d'activité. Oui, moi je pense que c'est vraiment important pour pouvoir donner une image de Plessisville, une ville active, et plus qu'on a d'événements, plus que c'est plaisant de demeurer à Plessisville. Et on veut également encourager les gens à bouger là, avec ça. Oui, moi je suis quand même un homme d'action, je suis quelqu'un qui aime l'activité physique, je l'enseigne à mon métier d'enseignant en éducation physique, mais on veut que la population bouge davantage. Et cette troisième édition, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est une édition intergénérationnelle, il y a de tout, une course pour les tout-petits, une course pour les adultes et une marche pour les aînés, donc on va en avoir de tous les goûts, on va en avoir tous les goûts et ça va être au carrefour culturel. Merci beaucoup. Merci. C'est une troisième édition et ça prend de l'ampleur d'année en année. Oui. Ouais. Chaque année, on grossit, on change de place, on améliore des choses, on a plus de départs, plus d'événements, donc ça va être plaisant. Merci.